Amen. Amen. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous ce soir, à l'occasion du dîner gala marquant le 3e anniversaire du groupe Les Rachetés de Jésus-Christ. Je salue et remercie l'ensemble de nos bien-aimés servants et serviteurs de l'Église baptiste Mont-Garizim, mes frères et sœurs des autres assemblées, ainsi que tous les amis venus de très loin pour partager notre immense joie. En prenant la parole ce soir, je voudrais évidemment vous associer tous à cet anniversaire, qui pour nous est une merveilleuse occasion de remercier Dieu pour ses multiples bienfaits envers nous et fêter à l'unisson les moments qui ont ponctué ces 3 ans de combat spirituel, 3 ans de haut et de bas, 3 ans sous genoux, nous avons prié. Pendant 3 ans, nous passons en pile passe, nous passons en pile problème. Mais la victoire a toujours été de notre côté, car avec Dieu, nous ferons et continuerons à faire les exploits et il crasera nos ennemis. Et je mesure à cet instant tout le chemin parcouru afin d'en arriver là ce soir. En promenant mon regard dans cette majestueuse salle de la première église baptiste haïtienne d'Orlando, féeriquement aménagée pour la circonstance, je suis heureuse d'apercevoir des amis, les membres de la grande famille Mont-Garizim, des amis, des proches, des visages connus, mais aussi d'autres visages, d'autres personnalités au grand cœur qui nous ont rejoints ce soir. Merci à vous tous d'être là à nos côtés. Nous avons conscience que des défis, nous en avons. Nous en aurons. Oui, des défis nous attendent. Mais le Dieu, notre Dieu, qui nous a soutenus jusqu'ici, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons foi en lui. Et nous, les rachetés de Jésus-Christ, croyons que l'amour fraternel, le travail d'évangélisation, notre engagement envers ce ministère qui nous unit et la volonté de servir une cause commune avec la plénitude du Saint-Esprit, et nous allons rester engagés, à l'exemple de notre Seigneur Jésus, à travailler sans relâche pour obéir à cet appel qui résonne nuit et jour dans nos cœurs, faire des disciples pour Dieu. Faire des disciples pour Jésus, tout en continuant à apporter notre contribution dans l'écoute et l'encadrement des personnes en difficulté, à manifester notre bienveillance auprès des personnes délaissées, des personnes sans abri ou sans nourriture. Personnellement, ce soir, je dirais que mon cœur est rempli de gratitude à Dieu de voir combien, oh combien, il nous porte comme groupe, combien il porte mon assemblée, mon église, l'église baptiste Mont-Garizim. Dieu nous a manifesté sa bonté, son amour et sa grâce. Et nous ne pouvons le remercier assez quand nous comptons nos bénédictions. Nous pouvons être d'accord avec les Écritures que le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies collectives, comme groupe et individuellement, comme membre de l'église baptiste Mont-Garizim. Cependant, ce que nous avons vu et vécu jusqu'à présent ne peut être comparé à ce que Dieu est sur le point de réaliser pour les rachetés de Jésus-Christ et pour l'église baptiste Mont-Garizim. Et nous restons confiants parce que notre Dieu est avec nous. Comme il l'a promis, il va tenir cette promesse. Il sera toujours à nos côtés jusqu'à ce qu'il va prendre. Que le Seigneur bénisse. Que Wendjoy soit avec nous. Qu'on dit bon Dieu merci avec nous. Merci encore une fois, Pastor Ola. Et puisque nous parlons pile de les rachetés, c'est les rachetés qui mettent nous là, soyons, je vais présenter chaque membre du groupe là. Tout d'abord, on a pris les présidentes là, Sœur Erard Lebien. Sœur Erard Lebien. On a pris chaque membre les rachetés, Sœur Erard Lebien. Sœur Nancy Janvier, Sœur Johanna Lubin, Sœur Lomissia Estelus, Sœur Linda Tomani, Sœur Laloi, Sœur Marietta Pochette, Sœur Roselyne Edouard,
frère Erard Le Bien, frère Renaud, sœur Renaud, et notre vice-présidente, la sœur Gétro Dorilas. Sœur Erard. Sœur Nancy, sœur Lauricia, sœur Johanna, sœur Édouard, sœur Renaud, sœur Gétro, sœur Linda, frère Renaud, frère Irard et frère Henri. Voilà, mes groupes, les rachetés de Jésus-Christ, nous sommes au ministère d'évangélisation à l'église baptiste de Montgarisine. Nous voulons remercier Pasteur Nou, Pasteur Bernou. Nous voulons remercier tout frère Action Nou, notre groupe qui même sont avec notre travail, les Séraphins, les soldats de Christ, les dévoués pour Christ. On dit pendant 3 ans, le ministère n'est pas facile pour nous. Il n'est pas facile, malgré que le corona, mais nous continuons à travailler. Je veux dire, nous pas qu'à faire un bilan pour nous dire, Seigneur, mais ça nous fait, puisque les mandés nous pour nous travailler sans relâche, de mieux en mieux, sachant que notre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Donc, nous demandons, on va continuer à prier pour les rachetés de Jésus-Christ, parce que nous gagnons un programme, nous gagnons un calendrier d'activité, nous gagnons une mission, nous gagnons un rôle, nous faisons accomplir. Nous pas qu'à faire sans prier. Donc, nous demandons, on va prier pour chaque membre blanc, on va prier pour ça, pour que. Là, Jésus va retourner. Il va dire nous, bon et fidèle serviteur, viens prendre des courage sur nous parce que nous qui travaillons. Merci beaucoup. Et à présent, sans plus tarder, nous allons demander à l'artiste Jameson Innocent pour commencer à venir chanter, venir faire nos comptes parce que nous la souhaitons pour l'enjoy, va bien? Est-ce que nous voulons enjoy à soi? Amen. Est-ce que nous n'en gala? Amen. Ok, guys. Eh bien, on fête, on célèbre avec l'artiste Jameson Innocent. Il m'a dit un titan. Il m'a demandé don pour ballon titan. Pour le capable de venir enjoy. Nous, en attendant, il m'a demandé mesdames rachetez vous. Puis aujourd'hui, je suis là, s'il vous plaît. Done?